Oui, désolée pour la vidéo d'avant, du coup ça sera en deux parties. Ça a un petit peu coupé et je vous avouerai que mon chéri, je pensais qu'il allait monter. Bon, c'est mon argent, mais j'ai pas envie qu'il dise que je flambe. Donc j'évite de lui montrer que, que j'achète des articles, même si c'est avec mon argent et que je travaille. Donc je vais essayer de couper le moment où je crois qu'il est en train de monter. Et sinon, je sais pas, je laisserai comme ça, c'est pas bien grave. Voilà, parce qu'après, j'ai pas envie qu'on croie que je flambe ou quoi. C'est juste que c'est mon argent, je fais un peu ce que je veux aussi. Et d'un autre côté, j'ai toujours peur qu'il râle, que je flambe, même si c'est mon argent. Donc, marquez-moi un commentaire si vous êtes comme moi, s'il vous plaît, que je sois pas la seule. Vous savez, la team femme qui a peur et tout, et qui essaye de faire au mieux. Bon, je continue mon haul, parce que finalement, fausse alerte. Alors, bon, c'est mon argent, c'est ridicule, hein, mais. Pas, j'ai toujours peur d'avoir des reproches et comme j'aime pas les chamailleries en même temps qui aime ça. Bref, alors du coup je me suis pris de la lingerie, bon rien de très intéressant bien sûr, je vais pas l'essayer, je vais juste vous montrer comme ça comme tout le reste d'ailleurs. Donc ce sont un lot de 3 soutifs pour 10 euros, donc c'est pas cher non plus vous voyez. Et en fait je sais plus comment ça marche, je crois que c'est SML. Il me semble, oui c'est ça, et moi j'ai pris du M, voilà, donc du coup c'est un peu rembourré mais pas trop, c'est assez simple mais à la fois ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a quand même le petit liseré ici qui fait quand même tout son charme je trouve, vous me direz vous, donc vous l'avez en rouge, vous l'avez en noir je le trouve ma foi très très canon aussi, et vous l'avez également en blanc, en sachant que ça coûte très cher la lingerie en général, donc là ça vaut le coup bien sûr. Et vous avez bien évidemment les ensembles en fait. Donc pas cher non plus. Vous voyez, vous avez la petite, le petit shorty. Moi j'aime bien les shorties noirs. Le petit shorty rouge. Et logiquement, j'ai le petit shorty blanc. Il est où? Et le petit shorty blanc. Non, ben non, c'est le soutif ça. Ils ont oublié de mettre mon shorty blanc. Je vais pas être contente là s'ils oublient de mettre mon shorty blanc. Hein. Bon, à voir, on verra. Mais peut-être ils l'ont mis dans un autre sachet. Je vais y arriver. Hop là, on verra. Après, on a quoi d'autre? Un petit haut, un petit débardeur. Attendez. Ouh. C'est la première fois que je fais une grande commande comme ça quand même. En taille M, donc qui est ma taille. J'aime beaucoup les débardeurs comme ça. Il est trop beau. Pareil, il vaut du camaïeu ou quoi, couleur un peu champagne, avec un aspect un peu léopard comme ça, un peu aspect soie, bien sûr c'est enfin, en soie, hein, c'est un aspect. Donc ça c'est pas mal du tout non plus. On va mettre ça là-bas pour l'instant. bizarre qu'il n'y ait pas le shorty blanc, hein. Il faudra que je vérifie quand même, ça m'intrigue. Je me suis pris également un maillot. Alors le maillot... Ouais, je le savais. J'ai voulu tester Shein, mais moi, d'habitude, je préfère Cupshe. Et effectivement, j'aime pas parce que les bas sont beaucoup trop échancrés sur Shein. C'est bon, quoi. Moi, je mets pas ça. Mais cela dit, je vais garder le haut qui est très beau. Et au pire, je me prendrai, vous savez, un bas noir ou je dois avoir un bas avec les mêmes couleurs, quoi. Maintenant, on peut dépareiller aussi. C'est dommage parce qu'il était canon. Mais moi, j'assume pas de mettre ce genre de... De bas de maillot, tout simplement. Donc voilà, ça fera pas. C'est pas grave. Oh, on peut pas avoir que du 20 sur 20. Hein. Je crois que je me suis pris un jean. Non, j'ai pas pris de jean, j'ai pris un short. Un joli short. Il n'y avait pas par contre de commentaires sur celui-là. J'ai pris en taille 40. Ça m'a l'air d'être ça. C'est un jean, un short simple. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop court. Non, et si jamais vous le trouvez un poil long, vous pouvez également un peu le remonter. Là, j'aime beaucoup les shorts comme ça. Un short basique, j'aime pas les shorts Destroy. Alors je critique pas ceux qui aiment, hein, bien évidemment. Mais moi j'aime pas les shorts Destroy, je préfère les jolis shorts. J'ai failli prendre un avec un papillon ou quoi, mais j'ai voulu prendre simple. Voilà. Pour ça. Ensuite, c'est bizarre qu'ils aient pas mis quand même le tanga blanc, ça me... enfin le shorty blanc, ça me perturbe un peu. Je pense que c'est un oubli de leur part, donc sachez que vous avez un service client, je regarderai tout à l'heure. Et ça, c'est les fameuses chaussures pour travailler, donc j'espère qu'elles vont m'aller parce qu'elles sont canons. Pareil, pas cher. En 39, j'espère qu'elles vont m'aller, elles sont trop trop belles quoi, regardez, j'adore. Un peu piton, vert, jaune, toutes les couleurs quoi.
avec un petit, une grande chaîne, une petite chaîne là, une petite chaînette quoi pour la cheville. Oh, elles sont canon. La fermeture, est-ce qu'elle fonctionne bien? Bah ouais, il n'y a rien à dire, hein. La plupart des chaussures sont fabriquées en Chine, ils sont très forts ces Chinois. Ça sent pas extrêmement bon, mais ça pue pas non plus, ça va. J'ai connu pire. Donc franchement, ces chaussures également, je vous les recommande et celles-là, je vais les mettre pour travailler cet été. Après, à voir si ça dure dans le temps, mais toutes les chaussures sont fabriquées en Chine et j'ai l'impression que même celles que j'achète ailleurs sont fabriquées en Chine. Et quand elles ne sont pas fabriquées en Chine, elles ne durent pas plus longtemps. Donc si déjà ça me dure une saison, je serai contente. Donc je vais mettre ça là. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc désolée pour l'importunité, on dit ça comme ça, pour le petit bug que j'ai eu. Je vais voir si je peux essayer de couper ce moment-là. Sinon, tant pis, vous aurez mon moment un peu stress, entre guillemets. Et je marquerai en commentaire, ouais, j'ai eu trop peur. Enfin, c'est bon, c'est mon côté spontané à un moment donné. Hein, donc voilà. Sinon, je vais tout ranger. Je vais quand même vous épargner le rangement. Mais pour vous dire que je suis quand même très très contente. Et que vraiment, voilà. Plutôt satisfaite quoi. À bientôt.